Gabon qui est au cœur d'une crise politique sans précédent. Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a présenté hier sa démission et celle de son gouvernement au président Ali Bongo Ondimba. Lundi, la Cour institutionnelle a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. La décision de la haute juridiction fait suite au non-respect du délai prescrit dans le cadre du report des élections législatives censées se tenir au plus tard le 28 avril dernier, avait expliqué la présidente de la haute juridiction. D'après la Cour, le Sénat est seul désormais habilité à voter les lois. Et pour plus d'informations sur cette crise au Gabon, on rejoint par téléphone notre correspondant, à Libreville, Ismaël Obianze. Bonjour Ismaël. Bonjour Pape. Apparemment, les choses sont allées plus vite qu'on ne l'imaginait. Peut-être nous rappeler les raisons qui motivent la démission du Premier ministre gabonais et de son gouvernement, sitôt après la déclaration de la Cour institutionnelle. Voilà, justement, vous l'avez dit, la démission du gouvernement tient à une raison simple, son incapacité à tenir dans les délais constitutionnels les rendez-vous des législatives. Souvenez-vous, la 12e législative qui a arrêté ses activités devait donc prendre fin depuis décembre 2016. On est allé de report en report pour des raisons parfois liées à la conjoncture économique difficile que traverse le pays, soit par les retards pris à la mise en place des réformes politiques et électorales issues du dialogue national d'avril et de mai 2017. Alors, la Cour constitutionnelle s'est donc vue obligée de prendre ses responsabilités avec l'interprétation des textes pour faire observer à l'exécutif le vide juridique né de la vacance de pouvoir, constaté donc à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale aussitôt dissoute et le gouvernement qui en est son émanation ne pourrait que rendre son tablier. Alors, Ismaël, le Premier ministre gabonais peut-il être conduit et quelles vont être les missions du prochain gouvernement? Alors, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, difficile de lire dans la boule de cristal. Je rappelle néanmoins que le Premier ministre sortant a été déjà reconduit deux fois au poste, mais s'il est jugé sur son incapacité à avoir raté le coche des élections dans les délais, très peu de personnes parient sur son retour à la primature.